et pas des détritards. En Haute-Normandie, situées dans le département de la Seine-Maritime, les Falaises d'Étretat ont depuis toujours inspiré les artistes et notamment les peintres Gustave Moubray et Claude Monet. Les formes si singulières des falaises calcaires se jetant dans la mer, les étroites plages de galets, mais aussi la verdure des pelouses qui les surplombent, créent en effet un passage unique en son genre. La baie de Somme, en Picardie. Étendue sur près de 60 km par heure, la baie de Somme est une véritable réserve naturelle d'une grande richesse écologique et notamment ornithologique, faisant partie du club des plus belles baies du monde. Aux côtés de la baie d'Anglong et la baie de San Francisco, elle a également inspiré de nombreux peintres comme Degas, Degas et Toulouse-Lautrec. Le mont Saint-Michel en Normandie, figurant sur la liste patrimoine mondial de l'UNESCO, le mont Saint-Michel est le site touristique le plus fréquenté de la Normandie et l'un des plus populaires de France. Irrigué sur un îlot rocheux au cœur d'une magnifique baie, ce site est l'un des plus emblématiques de notre pays.
la Tour Eiffel, à Paris. Construit entre 1887 et 1889, à l'occasion de l'exposition universelle de Paris, la Tour Eiffel devait initialement être démontée. Aujourd'hui, considérée comme un symbole architectural de la France, elle accueille chaque année plus de 7 millions de visiteurs. Un incontournable si vous vous rendez à Paris. Les clanques de Marseille, en bouche du Rhône, typiques de la Méditerranée, les clanques sont des formations géologiques particulières, en partie submergées par la mer. C'est dans la région de Marseille que vous trouverez les plus beaux exemples, et notamment la calanque de Soremio, la calanque de Susiton ou encore la calanque de Musito. L'idéal pour les découvrir, une excursion en bateau depuis le vieux port de Marseille. Le château de Versailles, en région parisienne, ancienne résidence des rois de France, et en particulièrement de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Le château de Versailles est l'un des plus beaux exemples d'architecture des XVIIe et XVIIIe siècles et de jardins à la française. Ne manquez pas de visiter si vous trouvez en région parisienne. La dune du Pilat, en Gironde, située à l'entrée du bassin d'Arasson. La dune du Pilat est avec ses 119,9 mètres la plus haute dune d'Europe. Véritable merveille de la nature, elle attire chaque année près de 2 millions de visiteurs.
le désert des Agriates en Corse, coincé entre la mer Méditerranée d'un côté et la montagne de la Serra Titanda de l'autre, le désert des Agriates n'est pas désertique du tout. Il est au contraire occupé par une végétation typiquement méditerranéenne et abrite de superbes plages et critiques à l'eau. Translucide, situé dans le nord de la Corse, c'est l'un des plus beaux sites sur l'île. Le méandre de quilles en plus de dômes, percé à plus de 250 mètres d'altitude, la commune de Queuille offre un point de vue spectaculaire sur la sinueuse rivière Siouille. C'est l'une des images les plus fréquemment utilisées pour représenter la région auvergnate et on comprend aisément pourquoi. Sentier des Ocres en Russie. Pas besoin de traverser l'Atlantique pour découvrir un caillou ou teinte rouge orangé. Situé dans le Léboran, le Sentier des Ocres est une véritable curiosité biologique et offre aux promeneurs un cadre exceptionnel pour la randonnée.